Zombie apocalypse. Yo tout le monde, c'est Brian et bienvenue sur ma chaîne Paradise. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. On se retrouve pour du coup la deuxième arme en or qui est la P90. Du coup là ce que je vais faire c'est qu'on va faire comme la dernière fois, je vais vous la présenter et puis je vous dirai ce que je pense pendant le gameplay. Alors du coup on va aller là, voilà. Donc pour les accessoires, moi pour la classe que j'ai faite avec la P90, alors j'ai mis le silencieux monolithique. Après le canon, j'ai mis le premier parce que ça rajoute pas mal de portée, de vitesse. Enfin ça ajoute aussi la vitesse des balles et en plus on contrôle de recul. Donc c'est le rétribution, forge, tac. Et du coup après j'ai mis une crosse. La crosse que j'ai mis c'est la... C'est quoi ? La busque de combat rapprochée FTAC, donc c'est la première, donc ça rajoute en fait une vitesse accélérée pour pouvoir viser. Après les autres j'ai pas testé. Ensuite en atout j'ai toujours mis les balles chemisées pour avoir plus de dégâts. J'ai mis une poignée arrière qui permet de viser plus vite, donc c'est laquelle, c'est la première aussi, c'est la crosse pointillée. Et du coup c'est tout ce que j'ai mis. Et moi franchement pour l'instant cette classe là je l'apprécie plutôt bien. J'ai pas essayé les autres accessoires, franchement celle-ci je vous la conseille. Bah après là j'ai mis mon lance-roquette parce que je suis en train de le monter en or aussi. Bah après j'ai laissé les mêmes trucs, pas de course, détermination, observateur. Et après j'ai laissé les grenades frag et puis les stimulants. Du coup voilà pour cette classe là. Du coup on va lancer le gameplay et puis je vais vous dire ce que je pense de l'arme pendant le gameplay. Donc on se retrouve, à tout de suite. Bon bah du coup on se retrouve pour le gameplay et puis alors moi ce que je pense de l'arme personnellement, je trouve que pour rush franchement elle est vraiment bien. Et elle bouge pas énormément, vous allez voir à un moment donné dans le gameplay. De toute façon il y a un mec qui est assez loin, on n'a pas l'impression qu'elle bouge. Même là on peut voir qu'elle bouge pas du tout avec les accessoires que j'ai mis, enfin que je vous ai conseillé justement. Non franchement je vous la conseille vraiment si vous voulez rush. Et après moi cette arme là personnellement j'ai kiffé justement. Et puis je pense que pour l'instant c'est l'une de mes armes préférées dans les mitraillettes. Et de toute façon là je suis en train de monter la MP5, de toute façon vous allez voir sur le gameplay la semaine prochaine. Et non personnellement même la MP5 est pas trop mal. Après les mitraillettes il y en a d'autres qui sont... Bon voilà j'en ai déjà récupéré, c'est pas trop mon kiff. Après chacun son style de jeu. Et du coup voilà. Donc surtout pour avoir la même classe que moi, enfin regardez bien le gameplay, faites votre propre avis à peu près si vous aimez bien l'arme et essayez de jouer avec, vous mettez les mêmes atouts. Bon c'est sûr que départ, bon les armes quand on n'a pas d'accessoires c'est toujours un peu la galère. Mais sinon essayez-les et essayez d'avoir les mêmes accessoires et puis une fois que vous avez les mêmes accessoires vous mettez exactement ce que j'ai mis sur l'arme. Et puis du coup vous verrez bien que moi personnellement elle bouge pas du tout. Après forcément s'ils y touchent pendant les mises à jour ça va être un peu juste. Là j'ai entendu apparemment qu'il y a eu justement quand on a monté Log, apparemment Log a été touché. Donc apparemment ils ont augmenté des dégâts ou je sais plus quoi. Et elle est un peu mieux d'après ce que mon petit frère me disait, il joue souvent avec en ce moment. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser regarder le gameplay. Et puis si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de commenter ou même de partager. Et dans les commentaires si t'as une classe aussi avec la P90, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que toi tu te sers comme accessoire dessus. Et donc voilà. Donc du coup nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. On sera sur la MP5. Et du coup je vous dis à la prochaine. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et de lâcher le petit pouce bleu. Je vous dis à plus, salut.
Bah alors, bande de petites salopes, fais-moi les malins! Allez, 37 éliminations.